Je considère que ce qui vient de se produire à Doha est très important. Une coalition s'est formée. Et j'annonce ici que la France reconnaît la coalition nationale syrienne comme la seule représentante du peuple syrien et donc comme le futur gouvernement provisoire de la Syrie démocratique. Barack Obama reconnaît l'opposition syrienne après la France, le Royaume-Uni, la Turquie et le Conseil de coopération du Golfe. Les États-Unis considèrent à leur tour quelle est la représentante légitime du peuple syrien. Nous avons décidé que la coalition de l'opposition syrienne était désormais suffisamment organisée et représentative de la population syrienne pour que nous la considérions comme la représentante légitime du peuple syrien opposé au régime de Bachar el-Assad. Nous allons donc leur donner la reconnaissance et évidemment cette reconnaissance s'accompagne de responsabilités de la part de la coalition. Autre titre ce soir, ce sera peut-être un virage dans le conflit syrien. La France et la Grande-Bretagne sont décidées à livrer des armes à la rébellion syrienne. Paris et Londres laissent même entendre que cette position sera maintenue si l'Union européenne ne lève pas l'embargo. Ce serait une première en Occident. Quels sont les risques? Vous nous répondrez dans un instant, Loïc Delamornay. D'abord les faits. Claude Samper, Frédéric Furnemont. Le conflit dure depuis 2 ans. Les rebelles arrachent quelques victoires, mais ils disposent de faibles moyens. Ces derniers mois, l'armée de Bachar el-Assad regagne du terrain, notamment à coups de bombardements massifs. Depuis mai 2011, l'Europe bloque les livraisons d'armes rebelles. Aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne veulent mettre fin à cet embargo. Cet après-midi, François Hollande et David Cameron se sont rencontrés en marge du Conseil européen. Et leur position est claire. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que, pour le moment, et je crois c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. Cette position marque un changement radical. L'embargo prend fin officiellement en mai. La France va négocier et s'il n'y a pas d'accord avec les autres pays européens, la France est prête à prendre ses responsabilités. Que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. La Russie et l'Iran continuent d'aider le régime syrien. Bonsoir, Loïc Delamornay. D'abord, quelles armes seraient livrées? Des armes pour abattre des avions, David. Des armes de ce type-là, des lance-missiles solaires de type Stinger américain ou de type Mistral français, comme sur cette photo. Ce sont des armes redoutables, très rapides. Le missile part à plus de 2000 km/h et cela permettrait de rééquilibrer le rapport de force entre les rebelles et le régime de Bachar el-Assad, qui pour l'instant a la supériorité avec son aviation. À noter que ce serait une première pour les Occidentaux, qui pour l'instant n'ont livré que du matériel de communication ou de protection aux rebelles. Alors justement, beaucoup de pays, on l'a vu, sont contre cette décision. Quels en sont les risques? Le risque que ces armes tombent aux mains de groupes islamistes radicaux, comme sur cette photo. Il faut bien voir que la rébellion est un mouvement très divers. Il y a des laïcs, il y a aussi des djihadistes. Imaginons le pire, qu'après la guerre, ces armes tombent aux mains de terroristes qui s'en servent, par exemple, pour commettre un attentat en abattant un avion de ligne. La France dit qu'elle est au courant de ces risques et que ces armes, eh bien, sont traçables, c'est-à-dire qu'on peut les repérer dans le monde, et également qu'elle a des agents infiltrés sur le terrain, des agents secrets français qui pourraient dire à quel groupe livrer ces armes et à quels autres pas. Merci Loïc. Voilà, dans l'immédiat, la France et l'Angleterre qui font pression pour que l'Union européenne lève cet embargo. I want you to send this part of the show. We're going to clip it. In fact, mark it when we get up here, Tiffany, and we're going to clip this and I want you to share just this part with your friends. I'm going to make it very, very short. And here's what I want you to send to your friends. America, I am an imperfect messenger for this. You can call me what you want. You can say I hate the president or whatever. It doesn't matter. I just want you to listen here for just a few minutes and I'm going to show you some videotape. And I'm going to tell you about the big bad Republicans here. The Republicans, as well as the Democrats, are dragging us into another war. Your government is using your name and they are sucking you into the Middle East again. And only 15% of Americans think that's a good idea. 11% think we should send arms to the Syrians. But those numbers don't come with any information. Those numbers will be much, much lower if you show this to your friend. I want to warn you, what I'm going to show you is extremely graphic, but please send this along. A friend sent this to you. Please send it to another friend. This is a very graphic video of Commander Abu Sakkar.
He is in this video. He has just killed a Syrian military member. This is a rebel that is now cutting the chest open of that Syrian. He takes out his liver and his heart. And to show you what's going to happen to all of his enemies, the commander eats it. The dead soldier on the ground is the enemy of the guy we are now arming. This president and the Republicans, it's the Democrats and the Republicans, the progressives, trust this demented terrorist with weapons. Yet the same people want to take guns out of your hands because they don't trust you, but I digress. This is such a warning sign that we are on the wrong side, that even Vladimir Putin sounds sane compared to the progressive Republicans and the progressive Democrats in Washington, including our president. Listen to what President Putin just said. I believe you will not deny the fact that one hardly should back those who kills their enemies and eats their organs and all that is filmed and shot. Do you want to support these people? Do you want to supply arms to these people? Okay. America, I'm begging you. I'm begging you. We have to put down our partisan politics. We have to stop. When Vladimir Putin is making the case to the American people, do you want to give guns to the people who are eating the heart and liver out of their enemies? It's a no-brainer. We must stop the people in Washington. We've got to stop intervening in the wars in the Middle East. I hate this, sounds awful, but if they're going to kill each other, let them kill each other. We will not survive this. Please, stop the back and forth of the Republicans and Democrats. Our children and our country are at stake at this point. По поводу поставок оружия правительству Асада и по поводу того, на чьих руках кровь граждан, в том числе и детей. Я думаю, что вы не будете отрицать, что кровь на руках с обеих сторон. И всегда возникает вопрос, кто в этом виноват. Я думаю, что вы не будете отрицать того, что вряд ли стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Ну тогда это, видимо, вряд ли имеет какое-то отношение к гуманитарным ценностям, которые уже сотнями лет проповедуются и исповедуются в Европе. Во всяком случае, в России мы себе такого представить не можем. А если говорить без всяких эмоций, а по-деловому, то хочу обратить ваше внимание на то, что Россия поставляет оружие законному правительству Сирии в полном соответствии с нормами международного права. Мы ничего не нарушаем. Я хочу это подчеркнуть. Ничего. И призываем всех наших партнеров действовать таким же.